Mission Impossible, Rogue Nation. Alors Simon Pegg est pas drôle du tout, Tom Cruise il est trop vieux pour ses conneries. Sa mise à part, le scénario, la mise en scène, anecdotique, j'allais dire à part 2-3 idées, 2-3 scènes. Le méchant il est joué par un acteur splendide, mais alors il est pas du tout exploité. On est quand même 8 coudées au-dessus des derniers James Bond. Hein. Alors vu aussi, Ant-Man, on dirait un épisode de la série télé Flash, grossi pour le cinéma. Michael Douglas est ridicule, Paul Rudd inutile, Evangeline Lilly, alors elle, je sais plus, enfin Evangeline Lilly, hein. Elle fronce les sourcils quoi, c'est tout ce qu'elle fait. Alors reste un acteur génial qui joue le méchant, encore une fois, ainsi que 2 ou 3 gags bien vus, notamment le changement d'échelle dans l'affrontement final. Qui alterne par exemple une baston épique avec un petit train Teletubbies là. Vache maigre dont le wagon est rattaché avec Fragas celui d'Avenger. Faut gaver les oies, hein, Marvel Cinematic Universe, pour faire du foie gras. À ce niveau-là, on est dans l'industriel, sans saveur.